Eh bien, bonjour à toutes et à tous, nous voilà donc pour ce nouvel épisode. Perso, je suis perdu dans les chiffres, je crois que c'est 20. Donc, la dernière fois, nous avions fini le chapitre 2 après avoir un peu battu tout le monde. Et il me semble pas qu'on s'était encore battu contre Thanaton. Ou je ne sais plus. En fait, je ne sais même plus. Si, on est allé voir Thanaton, on s'est tabassé contre son apprenti. Qu'on a largement démonté. Attendez, je cherche mon buff. Voilà. Du coup, on va aller chez le seigneur tête de con. On va aller lui botter le cul. Et puis voilà, on va regarder un peu le temps de l'épisode. Peut-être que celui-ci sera... Hop, excusez-moi, je regarde un peu. Légèrement plus court. Genre, on va s'arranger faire... fonction du temps que... Moi, je réfléchis en même temps, mais on verra. Donc, on va essayer de faire peut-être plus court aujourd'hui. Parce que j'enregistre pas assez tard, et puis faut que j'aille piéter. Ouais, j'ai un bon spot derrière. En fait, c'est une lampe de salon. Voilà. Restez où vous êtes. Désolé, Excellence, mais vous ne pouvez pas entrer. Je viens d'exploser et d'assommer votre maître. Vous ne voulez pas tester ma patience. Bien, Excellence. D'accord. Mais ne mettez pas tous en dessus-dessous. Et ne dites pas à Thanaton qu'on vous a laissé passer. Il nous tuerait. Sous les bibliothèques. C'est par là. Donc ouais, voilà. Attendez. Quoi, ça me dit un peu. Voilà. Hein, on va y avoir par là. Du coup, on va faire un petit peu une petite progression. Tranquille, pépère, au calme. RPZ. Et puis voilà. Là, faut que j'ai mis tous les objets. Après avoir passé en revue les nombreux écrits, vous trouvez le volume 2300. Ouais, excusez-moi, en gros j'ai trouvé ce que j'avais perdu. Les voix se font plus présentes, je dois vite trouver un remède, j'ai du mal à me concentrer. Dark Vilius. J'ai entendu dire qu'une nouvelle espèce sur une planète appelée Vos connaît des rituels de guérison. Les rituels existent, donc en gros c'est pour m'expliquer où je vais aller, ce que je vais chercher dans la prochaine planète. Donc en gros, je vais aller sur Vos. Je dois me faire apprécier par eux, je dois me faire adopter par eux pour pouvoir devenir un... Et avoir, enfin, pour pouvoir devenir je ne sais pas quoi, enfin on va dire un Vos, entre guillemets, adopté. Et j'ai perdu ce putain de mot. Alors, attendez, je vais faire la bonus en même temps. Examiner les objets de la bibliothèque. On va faire la bonus, hein, histoire de gagner un peu d'XP. Ça mince. Hop. Voilà. On a pris un peu d'XP, faut que je clique un truc par là, celui-là. Donc on va lire l'holocron de Dark Iratus. Le rituel auquel j'ai procédé a libéré trop de puissance trop rapidement. Je me désintègre vite. J'ai commencé à déverser des parties de mon pouvoir dans des holocrons. Mais ce n'est qu'une solution temporaire. Mes recherches portent sur un remède presque incompréhensible, tant il est incroyable. Mais je dois essayer et réussir. Il faudra pour cela me rendre au cœur de Belsavis. Un endroit si dévasté par le chaos que je tremble à l'idée d'y aller. Je n'ai pourtant pas le temps d'hésiter. Je dois y aller, maintenant ou jamais. Ah, donc en gros, pour résumer,
On va faire. Bah, en fait, c'est la suite de l'histoire là. Belsavis, Vos, et il restera donc une dernière planète dont je ne parlerai pas. Ah bah si, enfin, c'est Corellia quoi. Mais je vous dirai pas ce qui se passe. Parce que je connais l'histoire, je vais pas vous la spoiler. De ce qui se passe, comme je vais la découvrir avant tout. Ça se met à la guise, ça me fait chier. Tant pis. Et voilà, le but c'est ça, et on va donc profiter de tout ceci. Donc pour vous faire découvrir, donc là on va aller sur donc il reste Vos Belsavis. Je pense que c'est Belsavis en premier. Au vu des niveaux, pas de l'histoire. L'histoire, je m'en souviens plus. Moi je parle au-dessus des levels là, qu'il faut. Je crois que Belsavis c'est 41, 44. Vos c'est 44, 43. Et Corellia c'est 40. Non. 44-47, pas pardon, pas 44-43. Et l'autre c'est 47-50. Donc on est vraiment proche de la fin. Voilà, voilà. On va prendre qui? Je ne sais pas. Ah oui, et aussi, je crois que j'ai une quête Kemval. Ici, sur Hoth. En fait, voilà, je fais des quêtes partenaires vraiment hors histoire. Que c'est vraiment les quatre partenaires sont vraiment une chose intéressante que je vous conseille de faire, de découvrir, et ça dépend de vos choix que vous ferez. Et donc je vais pas vous montrer avec les miens, puis ça fait des vidéos en fait qui ne servent pour moi à rien, qui n'avancent pas grand, mais vraiment, un gameplay pas trop intéressant. Ouais, le plus intéressant dans le gameplay c'est quand même la baston et l'histoire. L'histoire partenaire, c'est un peu un plus qu'ils ont rajouté, je trouve, au jeu. Enfin, un plus qu'ils ont rajouté au jeu sans. Enfin voilà. Bah, Blake, ça bug au moment où je bois, tiens. C'est génial. Ah ouais, je suis désolé, j'ai peut-être un peu un matériel vieillissant. C'est pour ça qu'il y a peu de vidéos non plus, en fait. Il y a eu un petit souci qui, comment dire, qui a entraîné le formatage de mon ordinateur actuel. Parce que vous, j'ai rien perdu, je suis encore un génie. Attendez, je m'installe, voilà. Ah, je déconne. Mais en gros, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. Et du coup, je change à songer de matériel. Mais bon, faut-il avoir les moyens. J'ai trouvé quelque chose qui a l'air intéressant. Excellent. Ashara et moi allons avoir besoin d'un peu de temps pour les étudier. En attendant, vous pourriez aller voir Harkoud pour vous assurer qu'il sait que vous êtes en vie et qu'il ne doit pas prendre de liberté avec les épreuves. Je sais qu'il vaut mieux que j'évite de te confier mon apprenti. Ne vous inquiétez pas, votre petite Jedi est intelligente. Elle garde ses distances. Ouais, je sais qu'elle est intelligente et aussi conne que toi, connasse. Donc on va aller sur Corellia. Ah ouais, ça va peut-être être un épisode un peu, si je peux dire, chiant. Que je pense pas faire trop de gameplay. Et je pense en fait. Ouais, parce que je pense à beaucoup de choses en même temps. Je me perds dans mes idées. Faire peut-être un épisode où on va dégager tout ce qui est blabla. Donc là, en gros, on va faire. Et on va. Comment dire? Là, on va dégager donc tout ça assez rapidement. Comme ça, après, on va faire un épisode où je vais me concentrer. Où je ferai plus de baston, de je te tape sur la tronche. Et l'histoire sera peut-être un peu plus passionnante parce que là on se balade, on n'a pas tapé quelqu'un d'intéressant. Et quoi d'autre? Ouais, on se balade, on fait que ça, et on se balade et on blablate. On n'a pas tapé encore. Donc au lieu de faire un épisode plus long et même trop long, je vais préférer en faire un plus court, donc cet épisode sera bien moins intéressant. Après, niveau histoire, il est quand même assez intéressant parce qu'on se retrouve. Comment dire? Oups. On se retrouve. En fait, on va dire là où nous on était. Il y a de ça. Je vais pas dire. Il y a 56 levels. En gros, c'est plus ou moins ce que Zach a dû faire pour nous vous avoir comme apprenti. Sauf qu'elle était déjà sur Corellia. Enfin, bref. Un peu une démarche que fait les sites dans ce temps-là pour avoir des apprentis, au fait les inquisiteurs et tout ça.
C'est pas les inquisiteurs, pardon, c'est les surveillants. Ça arrive à tout le monde, hein. Nul n'est parfait. Et ouais. Oups, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, on va pas prendre le voyage rapide, on va quand même se balader un peu. Que ça commence à être chiant si on fait du voyage rapide que de la prom. Enfin voilà, autant se promener. Ça rappelle en plus de bons souvenirs hein, cette petite planète du chapitre. C'est quand même pas mal. Et qui sait, peut-être qu'on y reviendra pour la fin. Je ne sais plus. Et là par contre, je ne sais vraiment plus. Parce que je sais plus où on bat le boss final. C'est quoi, Aurélia ou... Oui, c'est ça. Ce qu'il faut savoir en fait. Qu'il y en a qui le battent ici, sur d'autres planètes et tout ça. Et pour certains et pour les Jedi, bah, c'est sur d'autres planètes quoi. Ils se battent pas dans ici, qui est leur planète de départ. Donc voilà. Tiens, j'y tenais, pardon. Excusez-moi, vous êtes quand même plusieurs. Hein. Je ne vais pas vous tutoyer. Hein, restons quand même. Je vous en parle après la cinématique. Pas tout de suite, c'est ce qu'il L'heure de ta mort a sonné, Twi'lek. Car à tout passe-t-on pas, ma Kingsa. Assez, vous deux. Vous connaissez votre épreuve. Partez. Excellence, vous venez de manquer l'épreuve. Comme vous pouvez le voir, nous avons un groupe féroce. Sauf l'humain qui est mort étonnamment vite. Sans que vous interveniez, je suppose? Ces bougres peuvent bien se faire tuer sans mon aide. Personnellement, je mise sur celui à trois yeux. Il est encore plus laid que ma grand-mère Sith difforme, mais il a un côté cruel peu commun chez les esclaves. Je prends le pari. Je mise sur le caliche. Je ne vous pensais pas du genre joueur, Excellence. Puisque vous êtes là, il y a quelque chose en particulier que vous attendez de ces épreuves? Beaucoup de seigneurs Sith profitent des acolytes pour récupérer des objets dans des tombes. Quoi que vous leur demandiez, faites en sorte que ce soit difficile. Je ne veux pas d'un apprenti faible. M'avez-vous déjà vu tolérer la faiblesse? Je vous contacterai lors de la dernière épreuve pour que vous puissiez arriver à temps pour les résultats. Utilisez l'intercom. Putain. Déjà, on va faire un truc rapide. Tac. Tac. Non, rien, parce qu'en fait, ma télé est sur tout. Et du coup, si ça atteint certains stades, bah, ça redémarre. Voilà. C'est juste que je fasse gaffe que ça ne redémarre pas. Au cas où que si ça, ça l'a déjà fait, donc je sais pas si vous l'avez entendu. Donc oui, voilà, je voulais dire... Ouais, putain, je suis à l'ouest. Que... je pensais... Pas pour le moment, hein, déjà on va finir celle-là. Mais je vous montrer après, peut-être... Je peux, mais probable, on sait jamais. Vous montrer le côté Jedi. Donc faire un chevalier Jedi ou un nombre. Ou héroïque, ça dépend. Et moi je me suis kiblo. Donc, à vous de voir, je vous propose. Dites-le en commentaire. Et voilà quoi, dites-le en commentaire, n'hésitez pas. Alors attends, parce qu'en même temps en fait je look les FPS qui sont situés en haut à gauche là. Normalement, en fait au niveau de ma tête là, à ce niveau là, à peu près. Enfin par rapport à la cam quand vous la voyez. Je suis content de vous voir, maîtresse. Donc peut-être que d'ici les prochains j'enlèverai la cam, sur le prochain ou peut-être hors vidéo, j'enlèverai la cam pour tester. Zach et moi vont examiner les informations que vous avez trouvées dans la bibliothèque de Thanaton.
Des informations pour corroborer les rumeurs selon lesquelles il y aurait une vieille et grande prison de la République sur Belsavis. Maître Ryan a dit quelque chose allant dans ce sens, mais je n'ai pas voulu y croire. Malheureusement, Belsavis semble être la piste la plus prometteuse. Dark Eratus y est allé pour chercher un remède à la détérioration de son corps. Ça ressemble beaucoup à ce dont tu as besoin. Je ne veux écarter aucune option. Continue à te renseigner sur Vos pendant que je vais sur Belsavis. Oui, Excellence. Mes renseignements sont limités, mais je t'en ferai part quand on s'amarrera à la station spatiale de Belsavis. Bien, du coup, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Même si j'en suis sûr, parce que de toute façon, je vais couper. Je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et... attendez. Eh ouais, c'est galère. Alors, attendez, voilà. Allez, les amis. À la prochaine. Ah non, j'oublie, merci d'avoir regardé la vidéo. On vous remercie. Et je vous dis à la prochaine. Et...